Pour cette quête, on va devoir faire des tirs dans la tête ou éliminer des adversaires. Donc, c'est à nous d'avoir le choix, mais vraiment, le plus simple, c'est d'éliminer un adversaire. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir terminer euh, cette fameuse quête-là. Vous l'éliminez parce que bah, faire des tirs dans la tête, ça peut être long, ça peut être compliqué, ça peut être galère. Alors que là, bah, juste faire éliminer un adversaire, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour gagner du temps à ter en terminant cette fameuse quête-là. Pour cette quête, on va devoir toucher un adversaire avec un tir de pistolet. Donc, vous voyez que j'ai un pistolet prédateur sur moi et donc, on va en fait toucher l'adversaire avec un tir et donc et maintenant voilà la quête va s'avancer directement puisqu'on va toucher l'adversaire avec un pistolet donc directement et donc maintenant on va passer à la suite pour cette quête, on va devoir détruire des structures avec le bateau en bouteille. Alors comment on va faire ça C'est très simple. Le bateau en bouteille est un item qui est sur la carte et que l'on va devoir trouver. Ça va nous faire sortir un bateau en dessous et va nous faire nous déplacer, euh, là, oh, comme ça tout droit directement. Et en fait, en se mettant par exemple ici, en lâchant, en ouvrant le bateau, à le bateau en bouteille, le bateau va sortir et on va pouvoir se déplacer en détruisant des structures. Détruisez des structures simples, comme des petits murets comme ça qui sont pas très compliqués, des barrières en bois également, des Structure, en fait, tout ce qui est barrière et tout ce qui est très simple à détruire, n'hésitez pas à trouver avec le bateau en bouteille, ça te permettra vraiment plus facilement de terminer cette quête là. Il faudra en détruire un certain nombre pour pouvoir terminer cette fameuse quête, donc vraiment il n'y a rien de compliqué et ça vous permettra donc de pouvoir passer à la suite. Pour cette quête, on va devoir marcher sur la planche. Comment faire Vous avez la zone donc de Pirate et carel qui se trouve juste ici et vous avez un bateau qui est amarré dans la zone et il y a une planche sur ce bateau là. On va devoir se rendre sur ce bateau, sur la planche et ainsi devoir marcher. Et pouvoir marcher sur cette planche-là pour pouvoir terminer cette quête. C'est vraiment extrêmement simple. Il faudra juste se rendre dans la zone et ainsi marcher sur la planche, sur, dans le bateau donc, qui est disponible. Le Black Pearl qui est disponible donc dans la zone directe. Pour cette quête, on va devoir ici récolter des, des lingots d'or sur les adversaires que l'on aura éliminés. Alors, les adversaires, il y en a un peu partout et vous devrez donc éliminer par exemple un adversaire. Alors là, c'est un bot. C il n'y aura pas de lingots d'or. Mais quand vous allez éliminer donc un adversaire, vous allez donc pouvoir automatiquement, il laissera tomber directement. En en fait des, euh, des lingots d'or et vous aurez donc juste besoin de les récupérer pour pouvoir obtenir et avancer dans cette quête là donc c'est vraiment extrêmement simple vous avez juste besoin d'éliminer adversaires et ils laisseront tomber automatiquement des lingots d'or pour cette quête on va devoir toucher l'adversaire avec différents types d'armes alors regardez j'ai différents types d'armes ici j'ai euh, le fusil tiré donc on va lui tirer dans les pieds ensuite j'ai le euh, mitraillette ensuite j'ai le pistolet et ah ben bah, là j'ai pas pu terminer avec le euh, canon à ricocher avec le canon accroché mais en tout cas faudra toucher avec avec trois armes différentes, donc en fait j'ai réalisé la quête hein, puisque j'ai trois armes différentes pistolet, fusil et également mitraillette. Et ainsi la quête est maintenant terminée. Vraiment extrêmement simple, ne tirez pas dans la tête sinon vous ferez trop de dégâts et vous perdrez l'opportunité de terminer la quête rapidement. Et ainsi vous pourrez donc passer à la suite. Pour cette quête, on va devoir infliger des dégâts d'adversaires qui nous en ont infligé également. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire Très simplement, on va devoir donc, par exemple ici, on a un adversaire, on va, les, on va le réveiller et il va nous tirer dessus. Regardez, hop là, il va nous tirer dessus. Maintenant, on peut l'éliminer parce qu'il nous a infligé des dégâts juste au préalable. Et donc voilà, on l'élimine. Et maintenant, on va donc avancer dans la quête. Il faudra absolument faire les dégâts d'adversaires qui nous ont fait des dégâts à nous-mêmes, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ainsi donc, quand on en aura fait assez, la quête sera donc terminée. Pour cette quête, on va devoir Boire des potions donc de bouclier Bien évidemment dans différentes parties Donc là on en boit une et il faudra donc En trouver dans différentes parties alors c'est vraiment Extrêmement simple de pouvoir en obtenir hein, Dans les coffres hein, même le sol sur un adversaire Et ainsi vous les buvez enfin vous en prenez une vous en utilisez une dans une partie et il faudra le faire dans différentes parties pour ainsi terminer cette amesquette là. Pour cette quête, on va devoir se rendre sur l'île flottante que vous pouvez voir juste ici et grâce à l'île flottante, il y a un drapeau, cette fameuse île que l'on va devoir capturer et vu qu'elle a été mise aux couleurs donc euh, de pirates des Caraïbes, Et eh ben en fait, on va devoir capturer le drapeau qui se trouve au milieu de la zone et donc ça va nous faire hisser le drapeau sur l'île flottante et ainsi terminer cette amesquette là. Pour cette quête, on va devoir parler à un personnage un personnage qui est sur la carte avant de subir des dégâts comme vous pouvez le voir je suis à 100 et 100 donc je n'ai pris aucun dégât et on va pouvoir parler ici à ce fameux personnage et donc dès maintenant on a la possibilité de terminer cette musquette là extrêmement facilement et rapidement faudra bien parler à un personnage avant de prendre des dégâts donc moi je vous conseille de le faire au début de la partie pour être sûr et tranquille d'avoir pu la de pouvoir réaliser cette musquette là pour cette quête on va devoir parcourir la distance sous l'effet du slap ou de la nitro donc ici regardez on se prend ici le coup de euh, du, euh, du portail ici et donc automatiquement on a l'effet de nitro sur nous et on va pouvoir parcourir la distance donc soit dans la voiture toujours soit directement à avec euh, à pied, mais en tous les cas, restez à proximité. N'hésitez pas à tourner autour même des, euh, des, euh, des portails comme ça ici pour pouvoir récupérer plus facilement l'effet du nitro et ainsi pouvoir terminer ces quêtes là beaucoup plus rapidement et facilement. N'hésitez pas également à vous propulser euh, grâce à ces fameux euh, portails qui nous permettront également de, de parcourir la distance avec leur effet. Donc, directement, c'est beaucoup plus simple et rapide comme ça. Pour cette quête, on va devoir visiter la zone pirate des Caraïbes et on va donc aller devoir faire une élimination dans cette zone là. Donc, c'est vraiment extrêmement simple vous y allez et il faudra donc réaliser une élimi éliminer un adversaire en une seule partie en visitant donc ici le euh, la fameuse donc nouvelle zone vous visitez la zone et ensuite vous faites une élimination peu importe et automatiquement la quête sera terminée vous pouvez n'êtes pas obligé de faire l'élimination la, la la, dans la zone vous pouvez la faire ailleurs mais en tous les cas il faudra passer par visiter la zone puis faire une élimination pour cette quête on va devoir éliminer un adversaire en portant le médaillon d'un boss pour obtenir le médaillon d'un boss on a besoin donc d'aller le récupérer soit sur le boss du nitrodrome, soit sur le boss donc à brutal beachhead donc c'est le, le mégalodon qui se trouve soit en route soit à brutal beachhead soit également sur redline rig vous prenez son médaillon et vous aurez la possibilité ensuite d'aller faire une élimination pour terminer cette quête là pour cette quête on va devoir soit éliminer un adversaire soit réanimer un adversaire soit le faire revenir hein, avec sa carte euh, à un bus de réanimation directement donc dans la zone qui est juste ici donc dans la grande zone euh, des enfers et tout ça donc il faudra venir Ici pour pouvoir ici terminer Cette fameuse quête là elle est vraiment extrêmement simple N'hésitez pas à aller donc en groupe euh, Potentiellement ou même avec un second compte Pour terminer la quête beaucoup plus rapidement hein, Ou même faire une élimination Ce sera beaucoup plus simple Que de devoir à chaque fois attendre qu'un qu allié euh, Doive être réanimé donc voilà N'hésitez pas à aller plutôt faire une élimination Plutôt que d'attendre à, à la réanimation Et ainsi vous pourrez terminer cette quête là Beaucoup plus rapidement et facilement mais en tout cas N'oubliez pas qu'il faudra être dans la bonne zone Pour terminer cette fameuse quête là Pour cette quête on va devoir maintenant parcourir la distance avec ce fameux médaillon qu'on aura pu récupérer au préalable, donc c'est vraiment extrêmement simple, on récupère le médaillon encore une fois sur un boss, en général on essaye de faire la quête de l'élimination avec un médaillon et de parcourir la distance en même temps de toute façon ça, ça se faire plus ou moins tout seul et ainsi vous pourrez donc terminer cette amusquette là où on va pouvoir parcourir la distance en portant un médaillon sur nous et ainsi terminer cette amusquette là. Pour cette quête on va devoir faire des dégâts à un adversaire à moins de 10 mètres de lui, prenez un pompe c'est encore plus simple et ici regardez un adversaire et on va lui faire automatiquement des dégâts à Moins de 10 mètres pour terminer cette fameuse quête là, donc il faudra faire un certain nombre de dégâts pour pouvoir terminer cette quête. Elle est vraiment extrêmement simple. Vous trouvez un adversaire et vous lui faites des dégâts, faut vraiment faire attention de bien être au corps à corps. Ne vous prenez pas la tête à, à devoir viser ou quoi que ce soit, juste faites automatiquement donc des dégâts au corps à corps. Ça vous permettra de terminer la quête sans galérer à chercher la distance. C'est YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.